Avec au moins 5000 spectateurs, le Snow Show de fin d'année a démontré que les grandes traditions de spectacles de ski font encore recette. Et quelle bonne recette! Un show freestyle avec les athlètes du snowpark, une descente au flambeau continue sur toute la face de Bellewaerde avec pas moins de 270 moniteurs, les parapentistes dans le ciel, 240 litres de boissons chaudes et 30 litres de chocolat offerts et bu en 35 minutes seulement, 900 gobelets EcoMove. Avec ça, Val d'Isère a préparé l'une des plus belles mixtures pour finir l'année en beauté. Tu as fait le parapente, comment c'est le parapente de nuit comme ça, c'est difficile? Bah écoute, c'est pas trop technique quand on connaît bien la station, parce qu'il faut savoir par cœur où sont les câbles, les obstacles, tout ça. Mais écoute, une météo superbe, une sensation dans le noir avec tout Val d'Isère éclairé dessous, c'est... Tous les passagers qui font ça avec nous sont émerveillés et nous on s'en lasse pas non plus là. Bonne soirée, ouais, vraiment belle soirée. Et on voit bien justement Val d'Isère quand on est là-haut de nuit? Bah là avec tous les spots, ouais, c'est festif, il y a la sono, il y a les lumières et puis il y a forcément toutes les rues et les chalets d'éclairés. C'est top quoi, c'est vraiment magnifique. Ah, c'était génial, quelques plaques de glace de temps en temps, ça nous a surpris, mais sinon ouais, c'était bien, bien sympa, bien marrant. Comme à chaque fois, de toute façon, avec une bonne ambiance entre moniteurs et bon accueil en bas par les gens. Extraordinaire, vraiment très très beau. Ouais. Super. C'était la première fois que vous voyez une descente au flambeau comme oui, ça? Oui, aussi, de même, oui. Oui. Toute première fois. Première fois. Bon, vous venez d'où? De Nantes. Prochaine descente au flambeau, le 14 février, à l'occasion des 20 ans des Jeux Olympiques.